très honorée de présenter Jean-Charles Caillé. Donc, il est professeur de biologie cellulaire et moléculaire à l'Université catholique de Lille. Et donc, c'est un expert en innovation pédagogique. Il a donc écrit le livre qu'on vient de voir sur la classe renversée. Il enseigne la classe renversée depuis, enfin, il pratique cette méthode depuis 8 ans. Et donc, il m'a proposé aussi de le présenter en disant que c'était un professeur bizarre qui mettait en mouvement ses élèves. Voilà. Donc, tu lui laisses la parole pour son exposé, sa présentation. Bien, merci Marie, merci beaucoup pour cette présentation. Et en même temps, j'en profite pour remercier toute l'organisation, l'équipe de recherche LIDIL et l'Université de Rennes, de me permettre de partager avec vous, comme je le fais habituellement, sous la forme de dessins, certaines de mes expériences. Là, par rapport à la thématique de votre colloque, j'ai eu envie de partager avec vous comment ma classe renversée avait survécu ou continué à survivre à la pandémie de Covid-19. Donc, je l'ai intitulé « Quand la classe renversée passe en distanciel ». Et vous verrez dans la première partie qui est assez courte, je vais vous rappeler un peu ce qu'est la classe renversée, telle que je la pratique. Et puis, assez rapidement, je vais vous raconter comment j'ai dû m'adapter au distanciel l'année dernière avec le confinement généralisé, on va dire, et cette année avec des choses un peu plus mixtes. Voilà. Donc, cette classe renversée, ben, comme Marie l'a dit en introduction, je l'ai imaginé il y a 8 ans à peu près, pendant mes vacances, et en m'inspirant de plein de choses qui existent, hein, dont les classes inversées, mais je n'avais pas envie de faire de la classe inversée, je ne vais pas dire en mode Marcel Lebrun ou tel que Marcel l'a décrit, mais j'avais dans laquelle souvent il y a quand même le cours qui est donné. Autrement dit, il y a beaucoup de modèles de classe inversée où on fournit quand même les documents aux étudiants. Donc moi, mes étudiants sont en licence, ils ont une vingtaine d'années, mais ça se pratique à tous les âges et dans toutes les matières. Donc ma classe renversée, elle a la particularité, c'est qu'il n'y a pas de cours. En fait, c'est un cours magistral, mais je ne donne pas le cours. Donc vous voyez, il est complètement à l'envers dans ma salle. Et je l'ai appelé renversée parce que au départ, on m'a invité en me disant « viens nous parler de ta classe inversée ». Mais je leur disais « moi, elle est différente. Les étudiants construisent le cours, ils deviennent le professeur et moi, je suis l'enseignant ». Donc, l'idée de la classe renversée, c'est de dire aux étudiants, construisez le cours par vous-même. Et puis, comme la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, bien, enseignez-moi le cours. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire en classe. Donc, vous voyez, c'est une méthode qu'on pourrait appeler socio-constructiviste, qui laisse une certaine liberté aux étudiants, donc de construire le plan, les chapitres, les cours. Par contre, il y a un programme, puisque à la fin de l'année, il y a un examen, un programme, et ils doivent avoir un niveau suffisant pour passer en master première année. Donc, les étudiants vont travailler. Je ne leur donne que les titres des chapitres et toute la construction, ils la font par eux-mêmes. Donc, par exemple, j'ai un chapitre qui s'appelle la réplication, un autre chapitre qui s'appelle la régulation de la transcription. Donc, j'enseigne la génétique moléculaire, mais je ne leur donne que le titre. Donc, la première année, il y avait 12 chapitres. Ensuite, on a eu 6. Selon les années, on peut fusionner des chapitres. Les étudiants ont aussi cette liberté-là. Pour construire les chapitres, on constitue des équipes. Donc, pour vous donner une idée, dans ma classe, d'habitude, j'ai 45 ou 50 étudiants. Donc, c'est des classes de 50 élèves. Cette année, j'en ai eu 65, 64. Donc, ça a été une difficulté supplémentaire, mais je me suis organisé en changeant un peu le nombre d'équipes. En présentiel, je fais des équipes de 6. C'est un chiffre magique, hein, ça marche super bien. Quand j'ai travaillé avec des équipes de 4 ou 5 dans d'autres cours, c'est un peu compliqué. Il suffit qu'un ou deux élèves travaillent un peu moins, puis j'ai perdu mon groupe. Et ça m'est arrivé aussi de faire des équipes de 7 ou 8 étudiants. Là, c'est très difficile d'avoir un travail collectif. Ou alors, il faut leur donner le double de travail. Et puis finalement, ils se mettent en sous-groupe. Donc, ce sont des équipes de 6 en présentiel. Et quand je suis passé en distanciel, et vous allez le voir juste après, j'ai réduit ce nombre. Donc, j'ai fait des équipes de 4 ou 5. Parce que c'était un peu plus compliqué, enfin même de 5, on va dire, c'était un peu plus compliqué de passer un temps de travail comme ça avec des groupes un peu trop nombreux. Mais bon, ce qui est surtout important, plus que le nombre d'élèves, c'est comment les groupes sont constitués. Donc, on a fait un vrai casting avec ma collègue qui les connaît suffisamment bien. J'ai mis dans chaque groupe des étudiants qui avaient d'excellents niveaux scolaires, des niveaux moyens et des niveaux très faibles.
Moi, je considère que tous mes étudiants sont bons. Il n'y a pas de mauvais et de bons étudiants. Par contre, il y a des étudiants qui sont plus adaptés au système éducatif que d'autres. Voilà. Donc, si on changeait peut-être parfois les règles dans la pédagogie, peut-être que les élèves qui ont du décrochage scolaire ne seraient pas exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, voilà, il y a un casting dans mes équipes. Quand on est en salle de classe, donc quand je suis en présentiel, et j'ai fait ça pendant plus de 6 ans, 7 ans, eh bien, on utilise des tableaux, des feuilles pour faire des plans. Je leur apprends aussi à utiliser des cartes mentales, cartes heuristiques, à travailler avec des schémas, des matrices. Et donc, ils ne sont plus du tout dans la situation de l'élève assis sur sa chaise qui écoute le prof en train de dicter son cours ou alors de l'expliquer au tableau. Ces méthodes de collaboratives que j'ai introduites dans mon cours de génétique, elles sont inspirées de méthodes de co-design, de travail collaboratif, de design thinking, des méthodes auxquelles on s'est formé et qui ne sont pas du tout des méthodes habituelles dans le monde de l'université. Donc nous, on a appris ces méthodes, on les a un peu transformées, et puis certaines d'entre elles, on s'est dit pourquoi pas les adapter. La carte mentale, ça marche vraiment très bien pour aider un groupe à faire un plan. Les étudiants construisent le plan des chapitres. Alors, j'ai des groupes qui sont assez libres et qui construisent des plans classiquement. Et puis d'autres, je vais les aider en utilisant des cartes mentales. Ensuite, les étudiants par équipe vont co-écrire le chapitre. C'est-à-dire qu'ils doivent rédiger. Donc, ils doivent aller chercher de l'information. Donc là, il y a un lien avec la conférence qui m'a précédé ce matin. Ils doivent aller chercher de l'information. Je ne leur donne aucun livre. Enfin, je ne leur donnais aucun livre. Par la suite, j'ai ramené des livres, une bibliothèque en classe, qu'ils utilisent ou pas, mais il n'y a pas de cours. Donc, ils doivent aller chercher de l'information, la trier avec discernement et la référencer, c'est-à-dire évaluer la pertinence de cette information. Autrement dit, un peu comme un chercheur, un travail de chercheur, par équipe, ils vont écrire le chapitre et puis ce chapitre-là, bien, il doit être référencé. Ce qui me permet, lorsque j'ai des problèmes de compréhension dans la lecture de leur chapitre ou entre eux, d'être capable de retourner à la source. Voilà, donc on utilise un document Google Doc, un Drive, mais on peut utiliser d'autres types de plateformes. J'ai des collègues qui font de la classe renversée en utilisant d'autres plateformes que Google. Alors, c'est une méthode aussi très dynamique. Quand on est en classe, les étudiants sont libres, ils s'organisent. Donc, moi, mon temps de classe en présentiel, c'est des cours de 2 heures. Et les 5-10 premières minutes, je les mets en mouvement. Les 5-10 premières minutes, je leur propose des petits exercices à chaque fois différents, dont les titres sont des QCM intelligents, des QCM inversés, des quiz, des schémas à noter. Enfin, il y a plein de petits exercices différents. Ça ne dure jamais plus de 10 minutes. Et ce sont des exercices qui favorisent l'interaction entre les groupes. Et ensuite, les étudiants sont libres, ils travaillent en équipe. Et de temps en temps, donc il n'y a pas de pause, ça dure 2 heures, il n'y a aucune pause, ils peuvent rentrer, sortir comme ils veulent, et à la fin des 2 heures, il y a une évaluation. Les étudiants sont professeurs, moi je suis l'élève, ils vont me faire cours, donc ils vont évaluer aussi la séance. Et je vais vous montrer à la fin de mon intervention cet après-midi quel outil j'utilise pour l'évaluation des séances. Donc ça, c'est un exercice qui est dessiné sous vos yeux. Donc, tous les dessins sont originaux, ils ont été réalisés par Charles Hénin, mon complice, et donc avec les vrais étudiants, les vrais schémas, les vrais tableaux, les vraies chaises, vous verrez, tout est réel. C'est un exercice qui s'appelle les tableaux tournants. Donc, par exemple, on travaille sur une question, on va se poser la question « comment une molécule d'ADN se réplique ?» ou alors « comment un virus infecte une bactérie ?» Et là, les étudiants sont tous focalisés sur le même sujet. Je leur donne 3-4 minutes pour travailler sur un tableau et toutes les 2 minutes, on tourne et ils complètent. On tourne, on fait des rotations et ils peuvent compléter les travaux avancés par les autres. Autrement dit, l'équipe 1 commence le travail et au bout de 3 minutes, elle passe devant le tableau de l'équipe 2 et elle va compléter le schéma de l'équipe 2. Voilà, et ainsi de suite. On peut le faire 2 ou 3 rotations et ensuite, on a les tableaux sous les yeux. Et puis moi, je peux prendre 2 ou 3 minutes, 5 minutes, pour me focaliser sur le tableau que je trouve le plus complet et puis répondre aux questions des étudiants ou fournir un complément d'information. C'est une méthode qui marche super bien quand vous partez à partir d'une question facile. Elle est compliquée, cette méthode, si vous démarrez avec une question compliquée. Donc, si la question au départ est vraiment un peu complexe, eh bien, il faut leur donner un cadre. Donc, je leur dis, répondez sous la forme d'un tableau, d'un graphe ou d'un schéma.
Et puis, dernière chose, les étudiants, non seulement construisent le cours, mais ils vont construire les examens. Ils construisent le contrôle continu des examens. C'est-à-dire que dans chaque équipe, il y a des étudiants qui sont chargés de préparer des questions, des petites questions de colle, de QCM, questions courtes, questions de synthèse. Et ces questions-là, c'est le prof qui devient l'élève qui va y répondre. Donc, les étudiants construisent les chapitres, ils préparent un questionnaire avec des barèmes, et moi, je deviens l'élève. Donc, je peux très bien parfois être interrogé en présentiel. Ici, vous me voyez, je réponds à un QCM. Il y a même des étudiants qui me surveillent, parce que parfois, je leur pose la question, est-ce que j'ai droit au document ou sans document? Quand je n'ai pas droit au document, j'ai souvent des moins bonnes notes que quand j'ai droit au document. Voilà, donc les étudiants vont me poser des questions et j'y réponds. Si vous leur posez la question à mes élèves, est-ce que c'est facile de noter un prof? Ils vont vous dire non, parce que déjà poser la question, il faut connaître le cours. Ensuite, construire un barème, ce n'est pas évident. Et puis, en fonction de ma réponse, est-ce qu'ils me mettent des points ou pas? Eh bien là, ça dépendra de mon niveau de réponse. Souvent, ce que je fais, c'est que quand les questions sont vraiment très simples, je réponds de manière un peu incorrecte, ça les oblige à travailler les questions. Et quand les questions sont bien construites, avec des barèmes sérieux, et que je vois qu'il y a un travail en amont qui a été fait, là, je réponds de manière correcte, je leur donne des liens, et il n'y a pas de correction à faire après, je dirais, mon retour de copie. Donc voilà, de manière un peu résumée, cette classe renversée. Il y en aurait un peu plus à dire, mais je vais profiter de la pandémie, de ce qui nous est arrivé, en tout cas au mois de février-mars l'année dernière. Donc avec le confinement, on a dû, comme tout le monde, se réfugier un peu chez nous et puis de se dire comment faire à distance. Alors, l'année dernière, quand le confinement général a été décrété, j'avais déjà avancé aux deux tiers de ma classe. Donc, en fait, il ne me restait plus que le dernier tiers à travailler à distance. Donc, ça a été assez facile. Je n'ai pas eu trop de grandes difficultés par rapport à d'autres de mes collègues qui avaient l'habitude de faire un cours magistral et qui ont un peu plus souffert du passage à distance et de l'utilisation du numérique. Moi, mes étudiants co-écrivaient déjà les chapitres sur des plateformes, je communiquais avec eux, on avait déjà un blog, on avait des chats, et donc il y avait des temps un peu d'échange entre les cours. Mais très clairement, c'était très peu utilisé. Autrement dit, je m'arrangeais pour que l'essentiel du travail soit fait en présentiel. D'ailleurs, c'est aussi un conseil que je donne aux enseignants qui veulent faire de l'innovation pédagogique. Méfiez-vous du côté chronophage. Autrement dit, si vous faites une heure de cours, si vous avez l'habitude de faire une heure de cours et que vos élèves travaillent une demi-heure chez eux, pour cette heure de cours, ça fait une heure et demie de travail, ou ça peut faire deux heures. Arrangez-vous pour que votre innovation pédagogique, elle ne dépasse pas une heure et demie ou deux heures. Parce que s'ils doivent travailler en amont 3-4 heures, ensuite en collaboration une heure, et après retravailler chez eux une heure de plus, eh bien ça, vous allez avoir des réactions. Surtout si vous n'êtes pas le seul enseignant à faire ça. Donc, mes étudiants se sont retrouvés confinés comme les autres, avec cette difficulté d'être tout seul chez eux et devoir constituer les travaux de groupe à distance et en même temps d'écouter le prof avec une plateforme plus ou moins dynamique. Je vous avouerai que j'ai calculé depuis le mois de mars 2020, j'ai utilisé 14 plateformes différentes. Et je ne vais pas dire que c'est celle que j'utilise aujourd'hui que je préfère, mais en tout cas, c'est celle avec laquelle j'ai le plus d'habilité aujourd'hui. Mais plusieurs plateformes différentes. Donc, les étudiants sont plus ou moins habiles, en tout cas, c'était le cas l'année dernière. Et l'enseignant, c'est pareil. L'enseignant, chez lui, il doit aussi s'organiser. En fait, moi, ce que j'ai observé, c'est que mes étudiants se sont adaptés beaucoup plus facilement au distanciel que moi, parce que eux, finalement, avaient l'habitude de chatter, de travailler en réseau. Ils ont utilisé ces groupes WhatsApp, Facebook, Google pour travailler en équipe. Ils étaient libres, ils s'organisaient comme ils voulaient. Tandis que moi, qui avais l'habitude de passer entre les groupes, d'aller d'un îlot à un autre, de les amener au tableau et de les faire bouger dans la salle, je me suis retrouvé assis, comme tout le monde, ou debout devant un ordinateur. Et pour créer une dynamique de groupe, ça a été compliqué. Et ça a été plus compliqué cette année, et je vais en dire quelques mots juste après, parce que cette année, donc la deuxième année universitaire, là, mes étudiants, je ne les ai jamais vus. Je ne les avais jamais vus. J'ai terminé mon enseignement et je ne les reverrai plus jamais. Donc, c'est des gens que je ne verrai peut-être jamais dans ma vie en réel, parce que c'était une nouvelle promotion.
tout a été fait en distanciel, du premier cours de classe renversée jusqu'au dernier, ce qui n'était pas le cas lors de la première année. Alors, une des premières difficultés que j'ai eues, mais on la partage, je pense que c'est pareil pour vous, c'est la gestion du temps. Il n'était plus question de faire des cours de 2 heures sans pause. Donc, j'ai quand même gardé mes créneaux de 2 heures, parce que l'université m'avait contraint à garder ces créneaux de 2 heures, mais je les ai découpés en 2 fois 1 heure, avec une pause de 5-10 minutes au milieu. Et dans chacune des 2 heures, une plus une, j'ai découpé le travail de manière un peu différente, avec des temps de 5 ou 10 minutes en sous-groupe, et puis des temps en plénière. Les sous-groupes, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais constitué des équipes, ce qui me permet, avec un casting, ce qui permet, le casting, ça permet que les 8 équipes, ou les 12, cette année j'ai eu 12 équipes, les 12 équipes travaillent en même temps et à même rythme. Ce qui est catastrophique, c'est quand vous faites un travail collaboratif, de dire à vos élèves, et ça c'est vrai en distanciel ou en présentiel, mettez-vous par affinité. Parce que là, je vous souhaite beaucoup de courage entre un groupe qui va avancer rapidement, un groupe qui avance normalement et un groupe qui n'avance pas, sans compter qu'il n'y a pas de collaboration entre les groupes. Donc, si par exemple, vous voulez aider le groupe 3 et que vous lui dites « allez voir le groupe 1 parce qu'eux, ils ont trouvé une bonne méthode » et qu'ils vous répondent « mais nous, on ne leur parle pas aux élèves du groupe 1 », eh bien, vous vous retrouvez bloqué. Tandis que dans le casting que j'avais utilisé, je m'étais arrangé pour que chaque étudiant ait son meilleur ami ou son collègue de binôme dans un autre groupe. Donc, ma collègue qui les suit en deuxième année de licence, elle les repère déjà depuis 1 an ou 2. Elle m'avait repéré, c'est elle qui fait les groupes avec moi. Eh bien, on s'arrange pour que les étudiants ont leurs plus grandes affinités dans les autres groupes. Ce qui fait que la communication et les interactions entre les groupes sont plutôt excellentes. Et quand on fait de l'évaluation par les pairs, quand par exemple je demande au groupe d'évaluer le travail d'un autre groupe, eh bien dans chaque groupe, il n'y a pas de compétition de mettre des bonnes notes ou des mauvaises notes. Dans chaque groupe, on peut trouver soit les procureurs ou les avocats au moment de l'évaluation. Donc ça, c'est ce que je faisais en présentiel. Et en distanciel, ce que j'ai rajouté, c'est les groupes aléatoires. Donc en utilisant la plateforme Zoom, par exemple, on peut créer des groupes de manière aléatoire. Donc parfois, ils allaient travailler en groupe constitué. Et parfois, je faisais des petites équipes aléatoires. Ça pouvait être des binômes, des trinômes. Et je les mettais en situation d'interagir sur des questions avec des élèves qui n'étaient pas de leur groupe. Ça, je ne le faisais pas l'année dernière ou il y a 2 ans. Et c'est une amélioration que je vais réutiliser. Ça sera une de mes conclusions tout à l'heure à la fin de mon intervention. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine s'il n'y a plus de confinement, si malheureusement on est tous obligés de retourner en présentiel, entre guillemets. Donc je pense que je vais hybrider et utiliser des choses que j'ai découvertes en distanciel et dont je pense que je ne peux plus me passer. Donc, je n'ai pas encore l'idée bien précise en tête, mais il est fort probable que je mette du Teams, du Zoom ou du Jitsi dans mes cours en présentiel l'année prochaine, de manière à introduire le distanciel dans la classe. Et ça permettrait de faire des hybridations un peu plutôt complémentaires et qui pourraient continuer à faire évoluer ma classe renversée, même en présentiel. Donc, un type d'exercice que j'ai gardé à distance et qui marche très bien, et ça fonctionnait en présentiel, c'est un exercice que j'ai appelé l'imprégnation. Donc, l'imprégnation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va travailler sur un sujet en plénière, où je trouve qu'il y a un sujet important qui n'a pas été traité par un des groupes. Donc, moi, je lis leur chapitre, je regarde ce qu'ils produisent, et si je m'aperçois que dans l'un des chapitres, par exemple, le chapitre sur la régulation des gènes, eh bien, on ne parle pas de la régulation des opérons, qui sont des gènes de bactéries. Eh bien, comme je suis l'élève, je lève le doigt et je leur dis comment les gènes de bactéries sont régulés. Et ils doivent répondre à la question de leur élève. Vous avez compris, j'ai 64 profs et un seul élève. Donc, moi, je pose les questions dont j'ai envie. Et à chaque fois que je leur pose une question, ils ont bien compris que c'est soit un sujet qu'ils ont mal traité ou un sujet qu'ils n'ont pas traité. Et quand je ne leur pose pas de questions sur des parties du programme, ben ils supposent que ça fonctionne et que j'ai bien compris leur cours. Ils ont de la chance. Hein. Il y a beaucoup de profs qui rêveraient d'avoir qu'un seul élève dans la promo. Et en plus, le seul élève, c'est le majeur de promo. Donc, il n'y a pas de problème de compréhension. Parce que comme moi, ça fait 35 ans que je redouble ma classe, la génétique, je connais le contenu.
Donc l'imprégnation, je dis aux élèves, voilà le sujet, les gènes de bactéries sont régulés d'une certaine manière. Et je leur donne 5 minutes pour essayer de me définir cette régulation. Et donc, ils se mettent à travailler sur le sujet, comme si j'allais leur donner un peu plus de temps. Des fois, je leur dis, je vais vous donner 5 ou 10 minutes, concentrez-vous, voilà le sujet. Comment les gènes de bactéries sont régulés? Et puis, c'est parti, ils travaillent. Je peux passer d'un groupe à l'autre. Quand j'étais en classe, je passais d'un îlot à l'autre. Sauf que je ne leur laisse pas le temps imparti. Au bout de 2 minutes, à peine, je leur dis, stop, arrêtez-vous, je vais vous expliquer. Je vais vous donner l'explication. Alors, vous pourriez me dire, pourquoi avez-vous perdu ces 2 ou 3 minutes au départ? C'est parce qu'ils se sont imbibés du sujet et ils ont commencé à rechercher de l'information. C'est-à-dire que je rêve, entre guillemets, que pendant 2-3 minutes, ils pensent régulation de l'opéron. Ce qui fait qu'au moment où je vais leur donner les explications, eh bien, ils sont captifs. Ça, cette imprégnation, ça marche super bien en présentiel. Je vous avouerai qu'en distanciel, ça marche un peu moins, où je n'ai pas la capacité de repérer si ça marche mieux dans un groupe qu'un autre. Un autre exemple que je pratique en distanciel et que je ne faisais pas du tout en présentiel, c'est le choix des questions. Donc, on travaille avec Zoom, on travaille avec Moodle, on a des chats, des forums, on a plusieurs outils. Et les étudiants, eh bien, choisissent les questions que je vais traiter. Donc, si à un moment donné, un peu comme s'ils me posaient des questions, donc si à un moment donné, ils ont envie d'avoir des explications plus particulières sur un sujet, eh bien, ils énoncent leurs questions dans un forum. Et moi, je repère les questions qui ont le plus de voix. Ou alors, c'est à l'inverse. Je publie une dizaine de questions et donc, ils vont choisir les questions sur lesquelles ils ont le plus envie d'écouter une explication. Donc, en fait, quand j'ai cours le mardi matin, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai cours le mardi matin, le jeudi soir, je ne sais pas sur quel sujet je vais travailler parce que je regarde les résultats du sondage. J'ai remarqué en discutant avec eux que ça leur plaît beaucoup de focaliser en priorité sur leur sujet d'intérêt. Bien sûr, ensuite, si je m'aperçois que sur un des sujets particuliers, ils ne m'ont pas posé la question, je leur impose aussi le thème. Mais en priorité, je commence par leur sujet d'intérêt. Alors, souvent, on oppose l'innovation pédagogique à l'académique. Moi, je ne fais pas du tout partie de ces profs qui disent qu'il faut arrêter de faire des cours académiques et faire que de l'innovation pédagogique inversée, renversée. D'ailleurs, on ne pourrait innover qu'à 5 ou 10%, ça suffirait pour renforcer le cours académique. Donc moi, mes étudiants adorent le cours académique, enfin je veux dire adorent, entre guillemets. Quand je les intéresse sur des sujets en groupe, ils me posent des questions qui méritent un retour du prof normal. Donc, je faisais ça en présentiel. Donc, en présentiel, quand j'avais des séances de 2 heures, eh bien, 10 minutes par-ci, un quart d'heure par-là, on arrêtait le travail collectif et je leur faisais un cours normal, mais pas plus de 10 minutes, pas plus d'un quart d'heure, et sur un sujet bien précis. Et ça, je veux dire, à ce moment-là, ils étaient captifs. J'ai d'ailleurs une doctorante, dont Marcel Lebrun est co-directeur de thèse, qui est dans la classe. À distance, elle ne le fait plus, mais dans la classe, elle observait le comportement des étudiants et elle me disait, tu as une 50aine d'étudiants captifs pendant 15 minutes et qui ne font rien d'autre que d'écouter l'explication. Parce que l'explication sera importante et elle ne durera pas plus d'un quart d'heure. Les élèves, souvent, se concentrent un quart d'heure en présentiel, alors qu'on sait que leur niveau de concentration à distance, il est des fois que de 3 à 4 minutes. Donc, il est beaucoup plus court. Donc, à distance, il faut réduire les temps, augmenter l'interactivité, le dynamisme, et bannir tout ce qui dure plus de 20 minutes et qui est un peu trop monotone. Donc voilà un exemple donc, de ce que je fais. J'ai innové, j'ai été inspiré par une de mes collègues qui fait des cours de dessin et j'ai utilisé une webcam. Donc je pense que vous allez voir un peu. Je vais peut-être couper le son parce que moi j'ai le double son, voilà. Donc, voilà, c'est une webcam. Il n'y a pas de logiciel. Je la branche directement avec une clé USB sur mon ordinateur. Donc, les étudiants voient exactement ce que vous voyez. Donc, ils me voient. Ça leur permet de se rendre compte que je suis là. Et je vais utiliser ma feuille de papier comme un tableau. Et donc, en accélérant, par exemple, ici, vous avez tous repéré la transcription d'un gène de bactérie, hein, j'imagine, avec des ribosomes qui vont venir fixer sur l'ARN messager. Donc, je peux utiliser des crayons de couleur, je peux utiliser des feutres, je peux même utiliser, vous allez voir juste ici, ils peuvent m'interrompre à tout moment, hein, me poser des questions.
je peux utiliser des marqueurs. J'ai fait ça pendant plusieurs semaines, ça leur a beaucoup plu. Et puis depuis 3-4 semaines, j'utilise une tablette. Donc j'ai une tablette numérique que j'ai adaptée, ce qui me permet aussi d'enregistrer sur la tablette. Sinon, quand j'utilisais le papier et le crayon, tel que vous le voyez ici, eh bien, j'enregistrais la séquence avec Zoom et je la publiais sur la plateforme. Et donc, vous observez ici la chose suivante, c'est que les étudiants, eh bien, ont la possibilité chez eux de revoir ces petites vidéos. J'ai remarqué qu'un étudiant qui a suivi le cours en direct, eh bien, c'est beaucoup plus performant pour lui quand il revoit la vidéo chez lui, parce qu'il n'est pas obligé, de réécouter les 20 minutes. Il peut, avec le curseur, aller vers les endroits du cours où il a des difficultés. Alors que j'ai des étudiants qui ratent des cours, soit qu'ils sèchent des cours, soit qu'ils n'ont pas pu venir. Donc là, ils peuvent réécouter les vidéos, mais ils doivent réécouter les 20 minutes. Et ils peuvent interagir, mais en distanciel. Donc, dans mes évaluations, j'ai remarqué cette année que l'un des types d'exercices qui avait le plus de succès, c'était ces séances. Parce que mes élèves m'ont dit, c'est comme si vous étiez au tableau, mais nous, on est à côté de vous, quasiment sur votre épaule, et on ne peut pas se déconnecter. Alors que quand vous êtes au tableau et que nous, on est dans la classe, on peut être distrait, discuter avec un collègue. Tandis que là, ils sont captés. Donc, c'est aussi, je dirais au départ, c'était une méthode un peu de secours, au secours, comment je peux faire? Et en fait, c'est devenu une méthode que je trouve plus performante que le tableau en présentiel. Les étudiants, ensuite, font des exposés. Donc, en classe, ils passent au tableau, ils font des exposés. Là, c'est pareil. Hein. En utilisant la plateforme, je peux aussi leur demander de partager un document et de le présenter. Et puis, on a inventé toute une série d'exercices interactifs, dont certains sont transposables en distanciel et d'autres non. Par exemple, je n'ai pas trop le temps de vous les donner dans le détail, mais si vous êtes intéressé, je pourrais vous envoyer le mode d'emploi. Ça s'appelle le PowerPoint muet ou le schéma muet, sauf que chez moi, ce n'est pas des mathématiques ou de la physique, c'est de la biologie. Donc, on projette une slide, on projette un schéma et il n'y a pas de présentation. Donc, les étudiants sont en équipe et ils ont 2-3 minutes pour poser des questions qui sont des questions collectives. Et donc, ça peut être le prof, donc ça peut être moi qui projette un schéma, mais ça peut être aussi une équipe qui projette un schéma. Et puis, on va écouter les questions collectives. Et à ce moment-là, on peut répondre aux questions. Alors, les questions collectives, quand un groupe a compris ce qui est projeté, mais parfois, on peut aussi détourner l'exercice en disant à un groupe, qu'est-ce que vous avez compris de ce schéma? Autrement dit, on projette un schéma et on leur dit, ça veut dire quoi, à votre avis, ce qui est devant vous? Et donc, on a un retour de la compréhension du moment, ce qui permet ensuite, quand on attaque la description du schéma, d'avoir des élèves qui captent un peu, enfin en tout cas qui sont motivés parce qu'ils ont presque envie d'avoir la réponse à la question qu'ils ont posée. Il y a un autre exercice que j'aime beaucoup qui s'appelle l'éclipse, parce que c'est-à-dire qu'on va focaliser son attention sur un endroit du PowerPoint ou un endroit du schéma. Donc moi, quand j'ai une équipe qui me projette un schéma hyper complet, super bien fait, et que je m'aperçois que le temps tourne et que je n'ai pas le temps de travailler sur la description complète, eh bien, je focalise sur un des points. Donc, soit je leur pose une question, je n'ai pas compris cette partie-ci, ou alors décrivez-moi cette partie-là. Et donc, ça permet de focaliser l'attention sur un des points de la présentation. En général, je m'arrange pour que ça soit un point majeur et pas un point marginal. Un autre exercice aussi qui marche super bien, ça s'appelle « Trouver l'erreur ». Ça, je peux le faire en distance ou en présentiel. En présentiel, ça cartonne. C'est-à-dire que je dis aux élèves, je vais vous donner une explication pendant 5 minutes d'un mécanisme vraiment très complexe. Et pendant les 5 minutes, je vais introduire une erreur. Et ça sera à vous de trouver cette erreur. Mais je ne vous donnerai pas la solution. Donc, vous m'écoutez pendant 5 minutes et il y a une grosse erreur dans le cours. Et je leur dis même, si je retrouve cette erreur dans une copie, une interrogation, je vous retire 3, 4 ou 5 points. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait l'effort. Un peu, vous croyez tout ce qu'on vous raconte. Donc, les étudiants, au départ, ça ne leur plaît pas trop. Mais comme ils sont 50 par équipe de 5 ou 6, ils finissent toujours par trouver les erreurs. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ça les capte. Ça capte leur attention. Parce qu'ils font un travail collectif et c'est le premier des 6 dans l'équipe qui va trouver l'erreur. Donc, ils s'écoutent vraiment. Ça, je ne l'ai pas fait à distance. Par contre, à distance, c'est assez facile à faire.
vous pouvez projeter une diapo. Donc, n'importe quel prof peut projeter une diapo à distance et dire aux élèves, voyez ce schéma, il y a une erreur, c'est à vous de la trouver. Et puis après, vous avez plein de scénarios possibles. Est-ce qu'ils proposent leur solution ou est-ce que vous leur demandez un travail à la maison et de rendre leur copie le lendemain en justifiant pourquoi telle information est une erreur. Cet exercice-là, je ne l'ai jamais fait à distance. Ça s'appelle le karaoké, mais ça marche super bien en présentiel. C'est pour dire en une phrase, je fais travailler les équipes. Les équipes travaillent, je dirais, sur des sujets différents ou les mêmes. Et quand une diapo ou un schéma est présenté au tableau, c'est jamais un élève de l'équipe qui a préparé la présentation qui présente. Autrement dit, ce que vous avez sous les yeux, si c'est le schéma de l'équipe 3, eh bien, je prends un élève de l'équipe 4 et je lui dis, ben, dis-nous un peu ce que tu en penses. Qu'es-tu capable de nous dire ? Donc, en général, l'élève qui est choisi au hasard, il lui, en 30 secondes, une minute, il fait un peu ce qu'il peut, il se débrouille. Et puis, j'arrête souvent avant la fin et je demande à l'équipe qui a préparé la présentation de compléter. Donc, le premier étudiant a une ou deux minutes pour dire un peu ce qu'il pense. Toute l'équipe va compléter, l'équipe auteur de la présentation. Et puis, enfin, j'ai un troisième temps où je demande au reste de la classe, est-ce que vous avez des questions à poser ? Et là, en général, c'est l'équipe qui a préparé le travail qui répond. Et quand ce n'est pas elle, c'est moi. Je peux aussi parfois intervenir. Dans la classe renversée, je joue le rôle de l'élève, mais à tout moment, je peux reprendre le rôle du prof. Et à tout moment, quand je suis l'élève, je peux avoir d'autres étudiants autour de moi qui jouent le rôle de collaborateurs dans la même équipe. Donc, si par exemple, à un moment, c'est l'équipe 3 qui présente au tableau le chapitre 5, moi, j'écoute comme un élève, mais tous les autres étudiants deviennent mes camarades de classe. On a de bons rapports entre nous. Parfois, ils ne savent plus si je suis le prof ou si je suis l'élève. Mais bon, finalement, ça se passe bien. Cet exercice-là, je ne l'ai jamais fait en distanciel. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de le faire, mais je pense qu'il est un peu compliqué. Ça s'appelle le ping-pong. Et en fait, ça marche par contre très bien en présentiel. La table de ping-pong, en fait, ça représente la diapo, un schéma ou une diapo. Et on demande à deux étudiants de présenter la slide, mais ils n'ont droit qu'à une phrase chacun. Donc, quand un étudiant commence une phrase, le deuxième continue avec une autre phrase. Ça peut être des phrases plus ou moins courtes, longues, comme on veut. Mais ça oblige les étudiants à être super attentifs à ce que vient de dire le copain, parce qu'il faut enchaîner. Par exemple, un étudiant va commencer à dire « les virus de telle famille sont capables de se fixer sur les bactéries ». Il s'arrête. Le deuxième va répondre « cette fixation est possible grâce à la présence de récepteurs sur la membrane ». Et puis le premier étudiant reprend la parole. « Ces récepteurs sur la membrane, au départ, ne sont pas faits ». Voilà. Et donc, non seulement les élèves au tableau doivent être super concentrés, mais toute la classe est concentrée. Parce qu'ensuite, ils doivent poser des questions. Et donc, on ne revient pas sur les explications. Sauf s'il y a des choses un peu fausses ou mal détaillées, où là, je peux reprendre soit le rôle de l'élève qui pose une question, soit le rôle du prof, 5 minutes, qui corrige. Alors, les étudiants vont interroger le prof, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ils préparent des questions. Quand on est en présentiel, à des moments donnés, ils m'amènent des questions, et moi, donc ils m'apportent des questions, et moi, je peux aller au tableau, donc je passe au tableau, et je réponds à leurs questions. Donc, si vous avez bien compris, les étudiants construisent des chapitres, et ils vont construire des questions, soit des questions fondamentales, parce qu'elles sont importantes, ou soit des questions parce qu'ils ont des problèmes de compréhension. Donc, moi, je peux trier un peu ces questions. Il y a des questions auxquelles je ne réponds pas, parce que je leur dis, écoutez, ça, c'est super simple, hein, vous pouvez le trouver sur les sites, je ne vais pas passer du temps avec ces questions. Il y a des questions qui sont super compliquées, où là, je vais prendre du temps, je vais l'expliquer au tableau, voilà, ou en utilisant la plateforme. Et puis, il y a parfois des questions hyper pointues. Ça peut arriver qu'un élève qui a un très bon niveau en génétique me pose des questions un peu hors programme, on va dire niveau Master 2 ou doctorat. Et là, je ne traite pas ces questions en classe. Par contre, je dis à l'étudiant, je peux discuter avec toi ou je peux te donner une source pour t'aider à répondre à cette question. Voilà. Et je vais terminer par une partie qui est vraiment importante. Mon pointeur s'était emballé. L'évaluation. La première année, quand j'ai fait ma classe renversée, j'ai expérimenté.
Et comme je ne suis pas du tout un expert des sciences de l'éducation, je me suis dit, je suis un prof de génétique, je vais changer ma méthode dans la classe. Bon, l'examen, il est imposé. Donc moi, je travaille dans une université privée, mais on est en convention avec les universités publiques. Donc, on doit respecter les règles d'examen des licences master des universités publiques. Donc, par exemple, pour moi, c'était des copies anonymes, contrôle de connaissances, correction des copies. Ce qui a changé un peu avec le temps. Et au départ, la première année, je n'ai pas changé les conditions d'examen, mais j'ai respecté à 100% les conditions d'examen. Eh bien, ce que j'ai observé, c'est que ma classe, la première année, donc il y a 7 ans, a fonctionné de manière incroyable. C'était vraiment dynamique, la production des cours, tout était parfait. Par contre, à l'examen, catastrophe. À l'examen, les notes étaient vraiment très, très faibles. J'ai été un peu écœuré en corrigeant les copies, en me disant quel dommage de faire tout ce beau travail pour arriver à la fin sur un résultat aussi piteux. Et ce qui s'est passé, parce que j'allais baisser les bras, la première année, donc on ne serait pas là en train d'en parler aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que vous savez qu'il y a des sessions de rattrapage à l'université. Et donc, 10 jours plus tard, il y a la fameuse session de rattrapage. Et au lieu d'avoir 50 copies à corriger, j'en ai plus que 10. Et en général, quand vous corrigez une session de rattrapage, le niveau, il est plus faible que la première session. Parce que les étudiants, ce n'est pas en 10 jours qu'ils vont comprendre tout le programme. Et donc moi, comme j'avais mis des sales notes à la première session, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver à la deuxième session? Eh bien, la moyenne générale de l'examen à la deuxième session, avec des élèves en difficulté qui étaient en train de repasser, elle était de 16 ou 17 sur 20. Donc, tout était inversé, en fait. Ils avaient même inversé leur niveau. Et, alors, ça m'a perturbé au départ. Et après, j'ai compris en discutant avec eux. En fait, ils sont arrivés à la première session sans réviser parce qu'ils se sont dit, on a fait le cours, on le connaît, c'est pas... et on va prendre du temps plutôt pour réviser tous les autres modules pour lesquels il faut connaître des choses par cœur. Et donc, ça a bien marché pour pas mal d'élèves, mais quand ils se sont aperçus que les notes étaient faibles, très faibles, certains, ben, ils avaient capitalisé leur module, donc ils avaient compensé, donc je ne les ai pas revus en deuxième session. Par contre, les autres qui avaient des notes très faibles, ils se sont mis à bosser leur cours pendant les 10 jours et le niveau est monté. Donc moi, l'année suivante, la deuxième année, j'ai prévenu les étudiants qu'il ne suffisait pas, j'aurais raconté l'histoire, hein, et j'ai prévenu les étudiants qu'il ne suffisait pas de faire un beau travail collaboratif ensemble et d'avoir une bonne note de contrôle continu parce que j'évalue la qualité de ce qu'ils font. Si le jour de l'examen, en fonction de ce que je vais leur demander, eh bien, ils ne travaillent pas, je dirais, avec une méthode adaptée au contrôle de connaissances. Voilà, et ça s'est super bien passé à partir de la deuxième année. Mais bon, c'était un échec et qu'on a pu je dirais, contrecarrer. Alors, au début, les premières années, j'utilisais la note sur 20, donc la fameuse note sur 20. Donc, quand ils me donnaient de la production en classe ou quand on était à distance, je leur mettais des notes sur 20. Et j'ai arrêté la note sur 20. Donc, je l'ai abolie depuis déjà 4 ans et je l'ai remplacée par un système de score. Donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est un fichier Excel. Donc, ce fichier Excel, chaque colonne, chaque building de Manhattan représente un élève. Et plus le building est élevé, plus l'élève a capitalisé des points pendant le cours. Donc, je vais vous montrer. Donc, les étudiants viennent dans mon cours en distanciel comme en présentiel, c'est la même chose. Et en fonction de ce qu'ils font, de leur présence, de leur interaction, ils capitalisent des points. Donc, ils s'enrichissent. C'est un peu comme si j'avais créé une monnaie et je les paye en fonction de ce qu'ils me donnent. Et que me donnent-ils? De la quantité, de la qualité, mais aussi de la pertinence, du respect des livrables. Donc, j'ai toute une série un peu de choses que j'attends et je leur mets des points. Vous avez ici un extrait du fichier Excel de cette année. Donc, c'est vrai qu'en termes de RGPD, je ne devrais pas vous laisser les vrais prénoms et noms de mes étudiants, mais ce sont les vrais. Et vous voyez que chaque colonne correspond soit à des séquences de cours, des présences ou des travaux rendus. Quand vous avez des cases noires, c'est qu'un élève était absent. Et quand vous avez des cases rouges, c'est qu'un élève n'a pas répondu. Et quand vous avez des points, donc des fois 2 points, 4 points, 12 points, 15 points, 30 points, c'est en fonction du travail qui est fait. Et à la fin, tout en bas, tout à droite du tableau Excel, vous avez un score. Donc, vous avez un score qui va me permettre, au fur et à mesure des semaines, eh bien, d'avoir une image de ma promo. Et cet histogramme, je le renvoie par mail et il est anonyme. Donc, je mélange bien les… Ici vous repérez bien les 12 équipes. Vous repérez les 12 équipes, mais il n'y a pas les noms. Moi, je leur envoie les histogrammes en modifiant un peu ma présentation. Donc, c'est anonyme.
Et s'ils veulent savoir quel est leur score, ils peuvent m'envoyer un mail ou un message, on peut utiliser le chat. Donc, un étudiant me dit, monsieur, au bout d'un mois, c'est quoi mon score? Donc, je pense que vous voyez ma souris. Si je lui dis, ben, tu as 64, ben, il sait que l'étudiant, il est ici. Donc, il a 64 points, il sait à peu près comment il se situe par rapport aux autres. Ici, vous avez un étudiant qui n'est jamais venu, hein, c'est pour ça qu'il a que 5 points. Enfin, je ne sais même plus pourquoi je lui ai donné 5 points. Et puis là, vous avez des étudiants qui ont raté pas mal de cours ou de temps en temps, quand ils ont des travaux à produire. Par exemple, je remets un petit peu en arrière, vous avez ici dans la case des colonnes qui sont indiquées sondages, questions. Donc, les étudiants doivent répondre en temps limité à des sondages ou à des questions. Et s'ils dépassent la date limite, donc si je leur dis « vous devez me répondre avant mardi 18h », eh bien, tous ceux qui ont répondu avant mardi 18h, je leur mets un ou deux points, respect des limites. Et ceux qui n'ont pas répondu, ben, ils n'ont pas les points. Donc, je ne retire plus de points, je ne fais que donner des points. Voilà. Et donc, à la fin, forcément, à la fin du semestre, je vais transformer, vous l'avez compris, hein, je vais transformer ces scores en notes. Et ça, je le fais avec eux. Donc, il y a une petite négociation avec eux assez sympathique. Combien là, sur la moyenne, là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous donner par mail ou en vous donnant des liens, les méthodes que j'utilise. Quand je donne des points à une équipe, je donne beaucoup de points. Si, par exemple, une équipe me fournit un bon travail, je mets 30 points, 40 points, 50 points à tout le monde, même à l'étudiant qui n'a rien fait. C'est la règle avec eux. Tout le monde a le même nombre de points dans une équipe pour un travail collectif. Par contre, les travaux individuels, là, c'est assez facile. Donc, les élèves, au départ, ça ne leur plaisait pas trop. Oui, mais monsieur, s'il y en a qui ne travaillent pas, bah, c'est à vous de gérer ça. Vous devez être responsable de votre groupe. Si vous tolérez, c'est la différence qu'on peut faire parfois entre l'enseignement, la transmission et l'éducation. Je leur dis, si vous tolérez que quelqu'un ne travaille pas et qu'il a autant de points que les autres, bah, je vous plains plus tard dans votre boulot si vous travaillez à la place de vos collègues. En fait, ça se passe assez bien. Les élèves gèrent le groupe. Et ils gèrent eux-mêmes les moins travailleurs, c'est-à-dire ils ne supportent pas qu'un élève dans le groupe ait une bonne note. Donc, moi, ce que je dois faire pour qu'ils aient confiance dans ma notation, c'est repérer ce que j'appelle les passagers clandestins. Comme vous le voyez sur le schéma, celui qui est tout à fait à votre droite, celui qui profite du groupe pour avoir une bonne note, mais je dois aussi repérer celui qui est ici, peut-être, qui est le leader, c'est-à-dire comment majorer un peu la participation d'un élève parce qu'il est plus performant et un autre parce qu'il se laisse guider par le groupe. Quand c'est en présentiel, j'utilisais un test dont je pourrais vous donner la méthode qui s'appelle le 360. C'est ça. Pardon, je me trompe. Le 180. 360, c'est un test un peu plus compliqué. Le 180 degrés. Donc, j'ai un test qui est un test d'entreprise. C'est un test qui est utilisé en management qui permet d'évaluer la contribution d'individus dans un groupe. En tout cas, qui permet d'évaluer la perception, c'est plus correct, la perception qu'ont des collaborateurs de la contribution des autres. Donc, moi, je propose à mes élèves d'évaluer la perception qu'ils ont de la contribution de leurs collaborateurs dans le groupe. Alors, quand je le fais en présentiel, c'est en direct. Ils découvrent le test en direct. Donc, le 180 degrés, ça donne un super bon résultat. Par contre, en distanciel, c'était impossible de le faire. Donc, en distanciel, au lieu de m'inspirer du management, je me suis inspiré de l'Eurovision, du concours de l'Eurovision, 12 points, 10 points, et c'est ce qu'on appelle le vote pondéré. Donc, je leur donne un pool de 20 ou 25 points, je ne sais plus, et ils doivent le répartir avec les collègues de la promo. Et je leur pose des questions bien précises. Quelle est la perception du travail des autres par rapport à votre travail? Donc, je ne leur demande pas d'évaluer leurs collègues, parce que les élèves ne savent pas évaluer les autres. Par contre, je leur demande, quelle est la perception que tu as du travail d'une personne par rapport à toi? En gros, je simplifie. Est-ce que tu as l'impression qu'un tel, il travaille autant que toi? Est-ce que tu penses qu'il travaille un peu plus ou un peu moins? Vous voyez ici, par exemple, l'équipe 2, c'est très clair, hein, parce qu'après, je fais des moyennes. L'équipe 2, ils se sont coordonnés, hein. Donc c'est impossible d'avoir le même score. Donc là, je sais que cette équipe-là, ils ont assumé la responsabilité collective. Tout le monde travaille à même niveau. Alors que si vous regardez cette équipe ici, pour moi, tout le monde a travaillé au même niveau. Enfin, ils en ont la perception. C'est à peu près la même chose. Mais ici, très clairement, vous voyez qu'il y a des élèves qui sont hyper bien notés par leurs collègues parce que dans le groupe, les camarades de classe ont repéré que ces élèves contribuaient davantage. Donc, moi, ce que je fais, ben, c'est tout bête.
je fais une comparaison. Donc, j'essaye de matcher un petit peu mes propres observations. Donc, vous voyez, en bas, vous avez l'histogramme qui correspond à ma perception du travail, avec les notes que je leur mets avec tous les exercices. Et en haut, vous avez leur propre perception. Et en général, ça, je vais dire, en général, à 90-95%, ça matche. Et puis, à 5 à 10%, où il y a des grosses différences. Par exemple, ici, c'est très clair. Vous voyez, par exemple, le dernier élève, ici, il a 86 points. Donc, moi, je le perçois plutôt comme un étudiant qui bosse bien. Or, ici, c'est très clair. Il y a une très grosse différence. Donc, lui, peut-être qu'il travaille bien, mais il n'est pas du tout perçu comme contribuant au groupe. Voilà. Donc, ces élèves, les vrais passagers clandestins, ceux qui profitent vraiment du groupe, j'en ai souvent 5 sur 50, on va dire 10%, un peu moins, peut-être 5%. J'ai souvent 3, 4, 5 passagers clandestins. Et par contre, les gens que je n'ai pas repérés, c'est-à-dire des étudiants dont je pense qu'ils contribuent énormément et qu'ils bossent bien, alors que ce n'est pas du tout le cas, ça, souvent, c'est 2 ou 3. Après, je majore ou je minore en fonction des résultats. Voilà, et je vais terminer avec l'examen. Donc, l'examen, depuis 2 ans, il est avec… l'examen, c'est un examen… qu'on me rendait sur copie. Maintenant, il me l'envoie sous forme numérique. Donc, c'est un examen qui est rédigé sous forme PDF, PowerPoint, où tous les ils peuvent aussi faire un examen écrit, faire une photo. Enfin, il y a plein de possibilités. Et comme je ne note pas la quantité, j'ai créé un examen en ligne qui marche assez bien. Donc, je vais vous le présenter très rapidement. Et si vous voulez du détail, c'est un examen qui permet de contrôler des connaissances en ligne en s'arrangeant pour que les étudiants ne trichent pas, entre guillemets. Bon, les miens construisent les questions, donc ils connaissent les questions. On construit à peu près 60 questions dans le module, mais ils ne savent pas lesquelles vont tomber à l'examen. Donc, ils ont la surprise de la question. Et de temps en temps, je rajoute quelques questions originales. Donc, ils sont connectés. Ils sont connectés, c'est individuel. Et voilà comment ça fonctionne. C'est un examen qui dure 2 heures, qui est en ligne. Donc, j'utilise la plateforme Zoom. Donc, ils se connectent avec moi. Et dès que nous sommes en direct, je leur dis, voilà, vous allez avoir une heure et demie pour répondre à 4 questions. Et pour chacune des 4 questions, vous avez 20 minutes. Mais ils auront des questions différentes. Et je vais vous projeter exactement la diapo que j'ai projetée il y a de ça 15 jours à l'examen. Voilà. Donc, je leur projette une diapo. Donc, évidemment, on fait une séance de révision. Je fais une sorte d'examen blanc. Je les habitue au mode d'examen pour qu'ils ne soient pas surpris par la méthode le jour J. Donc ici, vous avez les 12 équipes et vous voyez, les étudiants savent dans quelle équipe ils ont et ils savent repérer leur nom et leur prénom, bien sûr. Donc, je leur dis, vous allez avoir à chaque fois 5 secondes, donc c'est très rapide, hein. Vous avez 5 secondes pour repérer le nom, le numéro qui est en face de votre nom. Donc ici, par exemple, Charlotte, elle repère qu'elle a le numéro 22. Dans son équipe, Mathias, il a le numéro 24. Il n'y a personne qui a le même numéro, enfin en tout cas par équipe. Et dès que Charlotte a repéré qu'elle a le numéro 22, ça dure 5 secondes, hop, la diapo suivante passe, et Charlotte, numéro 22, elle sait qu'elle a 20 minutes pour répondre à la question « Qu'est-ce que la polyadénylation d'un ARN messager? À quoi sert-elle » Alors qu'un autre étudiant doit répondre « Qu'est-ce que c'est qu'une mutation non-sens et quelles en sont les conséquences ?» Alors bien sûr, vous pourriez vous dire, si je reviens en arrière, Charlotte, qui a le numéro 22, elle pourrait repérer que Ruby aussi, il a le numéro 22, mais elle n'a pas le temps de le faire. Et Ruby, ce n'est peut-être pas son copain. Donc, elle ne va pas lui téléphoner pendant les 20 minutes en lui disant comment tu as répondu à la question. Et donc, comme ça se passe pendant 4 fois, eh bien, c'est assez rapide et ça empêche les communications. En tout cas, un étudiant qui passerait du temps à communiquer avec ses collègues, il perdrait beaucoup de temps quant à la qualité de sa copie. Alors, j'ai eu des tiers-temps. Donc, il y a des étudiants qui ont des tiers-temps. Et moi, ça m'embêtait d'augmenter de 30% mon temps d'examen. Donc, j'ai convenu avec les étudiants qui avaient des tiers-temps qu'ils utilisaient aussi 1 heure et demie d'examen. Mais eux ne répondaient qu'aux 3 premières questions. Et ça leur a bien convenu. Donc, mon examen dure 2 heures, qu'il y ait des tiers-temps ou pas de tiers-temps. Et il y a des élèves qui répondent à 4 questions et d'autres à 3. Voilà. Donc, c'est un examen qui dure 4 fois 20 minutes. Et au bout des 4 fois 20 minutes, je leur donne à nouveau une demi-heure. Et pendant cette demi-heure, ils peuvent repeaufiner, recompléter les questions, relire leur copie. Et puis, si vous avez bien calculé, ça fait 1h50 à peu près, 1h50, 1h55. Et là, ils ont exactement 5 minutes, 10 minutes, s'il y a un problème, j'ai mon téléphone, pour m'envoyer les copies.
Et ça fait 2 ans que je fais ça, et ça fait 2 ans où je récupère les 55 ou les 60 copies en l'espace de 5 minutes sans aucun problème. Voilà. Et à la fin, et c'est mon dernier dessin, à la fin de mes cours, donc à la fin de tous mes cours en distanciel ou en présentiel, ils doivent évaluer la séance. C'est obligatoire. Donc, quand j'étais en présentiel, ils ne quittaient pas la salle de classe sans avoir rempli une fiche, une petite fiche. Ils avaient 3 minutes pour la remplir, 3 minutes. Et ils devaient écrire sur cette fiche quelle est la partie du cours, vous le voyez avec ma flèche, quelle est la partie du cours de la séance qu'ils ont préférée et pourquoi, et en dessous, quelle est la partie de la séance qu'ils ont détestée et pourquoi. Enfin, détestée dans le sens, ça ne leur a pas plu, ils pensent qu'ils ont perdu leur temps, c'est le genre d'exercice qu'ils ne veulent pas refaire. Donc, quel est leur top 1 en satisfaction et leur flop 1 en déception. Et je récupère ces notes et je les poste et je leur envoie par mail. Si vous voulez les lire, vous allez sur mon blog. C'est assez facile. Vous allez dans un moteur de recherche, vous tapez blog espace JC2 et vous allez voir les retours des étudiants. Toutes les évaluations sont retournées aux étudiants et certaines d'entre elles sont publiées, enfin pas mal d'entre elles sont publiées sur ce blog, sur EducPro. Donc ça, vous avez compris et vous le voyez sur le schéma, c'est fait à la main, dans la classe. Par contre, depuis que je suis passé en distanciel, j'utilise le chat. Donc, j'utilise le chat que vous avez aussi sous vos yeux. Et mes étudiants ne peuvent quitter la séance que s'ils ont rempli dans le chat point positif et ils mettent une phrase, point négatif et ils mettent une phrase. Donc, quand mon cours se termine, 64 étudiants, je récupère 64 opinions positives et 64 opinions négatives. Les opinions positives, ben, elles me font plaisir. Je me dis, ben, ça, c'est le genre d'exercice que je peux continuer. Par contre, les opinions négatives, c'est une mine d'or. Les opinions négatives, ce sont celles qui permettent d'arranger, de peaufiner, de transformer le cours pour qu'aux séances suivantes, eh bien, il y ait un niveau d'interaction et de satisfaction supérieur. Et ça, c'est vraiment important. On ne peut pas innover sans l'utilisateur. Innover, c'est faire avec l'utilisateur. Donc, l'innovation pédagogique, ça ne veut pas dire changer de méthode. L'innovation pédagogique, ça veut dire, c'est quoi l'objectif? Est-ce que je veux que mes élèves ont un meilleur niveau? Est-ce que je veux qu'il n'y ait pas de décrochage? Est-ce que je veux qu'ils interagissent plus entre eux? Voilà, il y a plein. Et en fonction de ce que vous voulez, vous créez l'innovation pédagogique. Moi, je voulais qu'il y ait plus d'interaction entre mes élèves. Et je voulais que mes élèves les moins forts en génétique ne soient pas écœurés du cours de génétique. Et donc, je m'aperçois qu'avec ma méthode, les bons élèves, entre guillemets, restent les mêmes. Ceux qui ont les meilleures notes, ça ne change rien. Par contre, personne déconnecte du cours. Et vous le lirez dans mon blog, vous lirez les commentaires à la fin du module de tous mes étudiants, c'est individuel. Vous verrez que même les élèves qui n'aiment pas la génétique écrivent ce qu'ils ont appris pendant le cours et ce que ça leur a apporté. Donc, les critiques négatives que vous avez à la fin de chaque séance, plutôt que de se braquer comme un prof qui dirait « Ah ben oui, ils veulent régler des comptes, ils n'ont pas compris ce… » Non, non, non. Les critiques négatives, vous allez les utiliser, surtout s'il y a 20 à 30% de vos élèves qui ont la même critique négative, pour essayer de transformer le cours et l'améliorer. Donc, on ne peut pas innover sans l'usager. Donc, un prof qui innove en pédagogie, il doit le faire avec ses élèves et les élèves doivent contribuer aussi à la pédagogie, que ce soit en présentiel comme en distanciel. Voilà. Donc, j'ai terminé ma présentation. Je vais répondre à vos questions. Il y a un terme important que j'ai juste abordé, mais qui pourrait faire l'objet et qui fera l'objet aussi d'autres conférences, des liens ou des lectures qui pourraient vous inspirer. C'est et ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est vraiment le début. C'est la notion d'hybridation. Et l'hybridation, c'est vraiment l'avenir, hein, l'avenir dès le présent. C'est-à-dire, avec la pandémie, ce qu'on a vécu à distance, il y a des gens qui disent, y aura-t-il un retour à la normale? Des fois, je leur demande, comment vous écrivez la normale? Est-ce qu'après le Covid-19, il y aura un retour à la normale ou à l'anormale? C'est-à-dire que si vous voulez hybrider demain, est-ce que vous allez faire de la transposition, un cours sur deux en présentiel, un cours à distance, ou est-ce que vous allez faire des méthodes complémentaires? Et peut-être que l'expérience que vous avez vécue sans la demander
lors de cette pandémie, eh bien, ça peut être aussi une opportunité pour avoir envie d'innover à l'avenir, je dirais, en présentiel et en distanciel. Voilà, je vous remercie. Vous avez sous les yeux mes coordonnées. C'est assez facile à m'envoyer des mails, à communiquer avec moi. Et d'ailleurs, même si, comme mes étudiants, si vous me laissez votre mail dans le chat, je vous enverrai des vidéos, je vous enverrai des liens. Donc, soit vous m'envoyez un mail, soit vous laissez votre mail dans le chat ici, là, dans le forum, et je sauverai le chat et je vous enverrai ça avec grand plaisir. Voilà, merci à vous. Merci, cher Jean-Charles. Je suis très frustrée parce que je n'ai pas eu à vous reprendre sur la durée, mais, mais en tout cas, bravo. Il y a toute une équipe autour de moi. Ils sont 12, ils font signe avec les... Donc, c'était bien organisé. Vous le cachez bien, en tout cas. Je vous remercie. Donc, nous avons un quart d'heure pour les questions. Donc, je rappelle que les questions peuvent être envoyées sur le chat ou vous pouvez lever votre petite main électronique sur Zoom en allant en bas à droite sur le petit smiley qui se nomme « Réaction ». Pour lever la petite main électronique. Voilà. Donc, je regarde déjà sur le chat s'il y a des questions. Non, il n'y a que des remerciements. Merci beaucoup, très intéressant. Merci, merci, très bien. Voilà, donc, pour l'instant, pas de questions sur le chat. Christine, tu as une question ? Oui, j'en ai plusieurs même, mais je... je vais essayer d'en poser qu'une seule à la fois. Christine, c'est un groupe, c'est un groupe à elle toute seule, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions. Merci, hein, vraiment, c'était une conférence qui nous donne plein d'idées sur tous les plans, hein, comment s'organiser pour dynamiser nos méthodes pédagogiques en allant jusqu'à l'évaluation, hein, la dynamisation des méthodes d'évaluation. Ça m'a beaucoup intéressé, ça. Une petite question concernant les dessins, c'est absolument superbe. Qui a fait les dessins ? Allez, donc les dessins, c'est Charles Hénin. Donc Charles maintenant il a la retraite, mais pendant son activité, il était le directeur du développement de l'université et il savait déjà dessiner. Donc il illustrait des revues de l'université. Et depuis qu'il a pris sa retraite, je travaille avec lui. Donc, quasiment les 3-4 derniers bouquins que j'ai publiés, ils sont illustrés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les dessins ne sont pas faits par rapport au texte. C'est-à-dire que Charles ne lit pas mon texte pour faire des dessins. On les fait ensemble. Et quand on fait les dessins ensemble, on fait les croquis ensemble. Lui a pris des signes. Et le fait de dessiner, ça nous amène un questionnement. C'est-à-dire que quand il dessine la mise en situation des élèves, il me pose une question, il dit « mais je ne comprends pas ce que tu leur fais » et moi, ça me fait travailler le texte. Ce qui fait que le dessin illustre le texte, mais pendant l'écriture du bouquin, le dessin, il force à la réflexion et il amène à détailler des choses que je n'avais pas prévu de mettre dans le livre. Et ma question par rapport au dessin, c'est est-ce que, puisque ces dessins fonctionnent aussi bien dans les explications, est-ce que éventuellement vous pensez les utiliser dans des consignes que vous donnez aux étudiants ? Alors, je l'ai fait seulement cette année, c'est la première fois, parce que pour la première fois, j'avais mes élèves en ligne, parce que je n'utilisais pas ces dessins avec les élèves. Par contre, cette année, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes étudiants, je les ai découverts en ligne. Et sur 64 étudiants, il n'y en a qu'un qui mettait sa caméra. Donc, j'ai fait tous les cours avec 63 rectangles noirs pendant tout le semestre. Et le jour de l'examen, ils ont allumé leur caméra. C'est la première fois que je voyais leur visage. J'avais un trombinoscope en photo. Mais donc, comme je ne les connaissais pas, je leur ai fait une petite présentation et pour leur expliquer la méthode, parce que vous ne pouvez pas embarquer des élèves dans une innovation pédagogique comme ça si vous ne les prenez pas au moins une heure et demie avant pour leur dire pourquoi vous faites ça. Et donc, je leur ai expliqué pourquoi. Mais ça, c'était la grosse surprise. Hein. Je me demande comment on a réussi à avoir un dynamisme ensemble alors que je ne voyais pas leur visage. Ouais. Comme des aveugles, quoi. Enfin, eux me voyaient, hein. Eux, ils me voyaient toujours. Je vais laisser la prochaine question à oui. Marie. Merci. Marie, oui. Marie, je t'en prie. Vous pourrez me poser des questions par complémentaires par mail et autres. Et, oui, volontiers. Voilà, il n'y a pas de problème, je suis très disponible. Oui, c'était une question très, très pratique en ce qui concerne les évaluations en distanciel avec les étudiants de Rennes 2. Justement, j'ai pu tester un examen linguistique assez basique en distanciel en essayant de limiter le temps pour que ça soit fait sans ouais. risque trop d'aller sur Internet. Et malgré ouais. tout, les notes n'étaient pas du tout celles qu'ils auraient dû avoir. Non pas que je considère que mes étudiants sont mauvais, mais en tout cas, les notes étaient
c'était bien, bien au-dessus du niveau qu'ils avaient. Donc, ma question, c'est quand même comment, par rapport donc, à cette méthode effectivement des 20 minutes et du fait que chacun a une question différente, comment limiter l'accès à Internet ou comment faire pour que ça reste... Moi, je vais répondre à votre question, mais vous ne pouvez pas limiter l'accès à Internet. Mmh. Donc, ce que j'ai oublié de dire, mais c'est votre question qui me fait penser à ça, je leur ai imposé un format. C'est-à-dire que si je leur laisse 20 minutes et je leur dis pendant 20 minutes, vous répondez à une question, soit ils font des copier-coller, soit ils arrivent quand même à se débrouiller. Et donc, je leur ai imposé un format. Donc, je leur ai dit, les 20 minutes, vous devez me répondre, par exemple, avec deux slides, un schéma à noter, deux définitions. Je leur ai donné un cadre super contraint, ce qui fait qu'ils étaient obligés d'utiliser leurs documents et de le rentrer dans le format. Donc, même quand ils trouvent les réponses et qu'ils font du copier-coller, ils doivent le rentrer dans mon schéma, ce qui fait que ça leur prend les 20 minutes. Parce que si vous leur laissez 20 minutes libres, effectivement, en leur demandant c'est quoi un vaccin à ARN, eh ben, je peux vous dire que même un élève qui n'est pas très fort, il est capable de vous donner une bonne réponse ce que c'est qu'un vaccin ARN. Par contre, si vous lui dites « je veux deux schémas, dont un qui a noté deux définitions fondamentales et que je rajoute autre chose ben, », une fois qu'il a copié-collé la définition du vaccin ARN, il y a du boulot à faire. Et il n'a pas le temps de le faire en 20 minutes. Donc, il faut une contrainte. Moins vous donnez de contraintes. Parce que moi, l'année dernière, j'avais une étudiante, elle était très forte. Quand j'ai expliqué mon déroulé, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, monsieur, votre truc, c'est trop compliqué. On va faire un truc plus simple. Vous nous envoyez les questions et vous nous laissez 2 heures. Et là, j'ai dit non, j'ai justement inventé ça pour éviter d'avoir 2 heures de copier-coller sur une copie. Alors, j'ai une question dans le chat de Virginie Vigneron. Comment avez-vous pris en compte, lors du passage contraint en distanciel, des différences d'équipement, de compétences digitales, etc., des étudiants ? Ouais, alors, moi, je dirais, j'enseigne dans le privé, dans l'université privée. Mes étudiants ont des... Vous l'enregistrez, ben, je n'ai pas de honte à le dire. Mes étudiants payent des scolarités quand même élevées et leur famille, c'est plutôt des catégories socioprofessionnelles aisées, entre guillemets. Enfin, plus qu'entre guillemets. Ça veut dire que, pour vous donner une idée, sur 64 étudiants, j'en ai 3 qui ont des problèmes de connexion. Et donc, je les ai repérés tout de suite, j'avais repéré ça, donc je leur ai dit, je me suis occupé des 3. Par contre, je dirais, ma femme travaille dans un lycée professionnel et j'ai des collègues qui travaillent dans d'autres domaines. Quand vous avez une classe de 35 et il n'y en a que la moitié qui ont de l'outillage, c'est différent. Donc, je suis mal placé pour répondre à cette question. Ceci dit, il y a quand même... Il faudrait peut-être voir avec des enseignants qui ont peut-être un volume plus important. J'ai eu ce problème-là avec des profs. Je n'ai pas eu ce problème-là avec des élèves. Mais je fais des conférences et des ateliers en ligne. Et l'autre jour, j'ai fait un atelier au Liban. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait 50 personnes en ligne, mais elles avaient des problèmes de connexion. Et c'était compliqué de gérer le direct avec les profs en ligne parce qu'ils étaient, dans un pays où la connexion n'était pas facile. Mais c'est une question importante, hein, Il y a des élèves qui sont vraiment très handicapés par leur matériel ou alors par le lieu, parce que les parents font du télétravail, la petite sœur ou le petit frère dans le coin, ou alors la bande passante, elle n'est pas terrible. Aura, tu as une question ? Aura ? Oui, voilà. Voilà, des questions, peut-être aussi des observations. Et d'abord, une question... est-ce que vous savez combien de cours d'heures vous avez ? Est-ce que pour tous vos cours, vous faites la même procédure ? Est-ce que c'est parce que vous parlez d'un cours de 12 heures, mais après… De 24 heures, 12 séances, 24 heures. Et donc, pour tous vos cours, vous employez la même méthode ? Non. Ah. Là, ce que j'ai présenté, ça correspond à 12 semaines, c'est le rythme universitaire, c'est un semestre. Donc, j'ai les étudiants… un peu plus que 24, hein, parce que souvent on fait une ou deux séances en plus, mais je dirais, allez, peut-être que je fais 25 heures de face-à-face. 25 heures de face-à-face, et l'équivalent de leur travail chez eux, il est au moins d'une heure. Donc, je dirais, c'est un cours qui leur prend 50 heures de travail, mais c'est la même quantité que quand ils écoutent un prof. Donc, s'ils écoutent un cours magistral de 2 heures, peut-être un peu moins, et qu'ils travaillent chez eux entre 1 heure et 2 heures, ils sont, mettons, entre 35 et 50 heures, ça dépend. Mais je me suis bien, bien arrangé pour qu'ils n'aient pas de travail à faire à la maison. Tout le travail se fait pendant les 2 heures. C'est-à-dire qu'un étudiant
qui raterait des cours en présentiel, ben, le travail qu'il doit faire chez lui, c'est plus compliqué. Il faut vraiment bien gérer ça, parce que si vous dites aux élèves « Préparez-moi des exposés chez vous pendant 2-3 heures, ensuite on les écoute et après on corrige », ça fait exploser le compteur. Oui. Et donc j'enseigne sur un semestre. Et après, j'utilise cette méthode-là. J'ai une promo, par exemple, j'enseigne aussi en école d'ingénieur. Là, j'ai une promo, j'ai 10 heures de cours. Et si j'étais prof en lycée-collège, je pourrais lisser cette méthode et en connaissant mieux mes élèves, de manière plus efficace sur l'ensemble de l'année. Avec la contrepartie que j'aurais plus d'élèves, parce que plus de classes. Donc, c'est pas forcément mieux. Et votre travail en amont, donc vous ne comptez pas les heures? Si, la première année, quand j'ai mis en place l'expérience, au lieu de travailler à 100%, j'ai travaillé à 130%. Donc, la première année, quand je crée la méthode, c'est un gros investissement. Et ensuite, à partir de la deuxième année jusque maintenant, c'est 100% de travail, pas plus, pas moins. Sauf que l'interaction avec les élèves, le retour et ce que je vis, c'est que ça n'a plus rien à voir. Je ne l'ai pas dit au début, mais j'adore faire le cours magistral. Donc, moi, je fais des cours magistraux, je n'ai pas de problème avec ça et je n'ai pas inventé cette méthode pour sortir du cours magistral que je déteste. Oui, d'accord, très bien. Et voilà, et maintenant, c'est juste une réflexion que je me fais, parce que la plupart des participants d'aujourd'hui, nous sommes enseignants en langue. Et donc, parce que votre méthode, c'est plutôt votre expérience, hein, part de la compétence du savoir. Vous travaillez plutôt les savoirs des étudiants. Et donc, le savoir, c'est-à-dire des connaissances. Quoi. Oui, en majorité. Voilà. Non, si c'est par contre, nous, c'est plutôt, il faut tout. Il n'y a pas que la connaissance, il y a l'interaction, il y a la compréhension, vous voyez, l'expression. Et donc, comment appliquer tout ça? Et comment, surtout, l'évaluation? Comment faire si on prend, bien sûr, si on s'enrichit avec votre expérience, et donc... Pour nous, ça serait un travail innovant. Je vais répondre à votre question parce qu'on me l'a déjà posé plusieurs fois et je travaille avec des profs de langue, avec beaucoup de profs de langue. Dans mon université, il y a un centre de langue et les enseignants, FLEU et plein d'autres méthodes, les enseignants en langue dans mon université, de tous les enseignants de l'université, ce sont ceux qui ont le plus d'innovation parce qu'ils ne font pas de cours magistral. Ça n'existe pas un cours magistral en anglais, par exemple, ou en espagnol. Et donc, les enseignants en langue ont des méthodes d'innovation vraiment intéressantes et ils viennent chercher dans mon cours des morceaux. Ils viennent chercher des parties ou des exercices. Et moi, je vais chercher des exercices chez les profs de langue, chez les profs de sport, hein, parce qu'un prof de sport, il peut donner une idée intéressante à un prof de maths. Et là, vous avez raison, le prof de langue, lui, il ne récite pas un cours, apprenez par cœur. Et d'ailleurs, il y a une réflexion qui m'est arrivée tardivement. Mais il y a un prof que vous connaissez tous, hein, qui, lui, fait de la classe renversée depuis le début. Il ne sait pas faire autre chose que de la classe renversée. Quel est le prof? Et moi, je ne m'en étais pas rendu compte. C'est une fois quelqu'un qui a levé le doigt qui m'a dit « Moi, je fais ça depuis le début. Ben, » c'est le prof de sport. Parce que le prof de sport, il ne va pas courir et faire tout le sport avec ses élèves assis dans les tribunes en lui disant « Regardez comment il faut faire. » C'est « do it yourself », c'est de la pratique. Donc moi, je me suis dit « Ma classe… Ma classe renversée, je n'aurais pas dû l'appeler comme ça. J'aurais dû l'appeler la classe sportive ou la classe autrement. Oui. Voilà, très bien. Et voilà, donc je voudrais juste… Je peux vous mettre en contact avec ces profs. Hein, si vous voulez idées d'innovation pédagogique dans les langues, j'ai deux collègues. Et d'ailleurs, la doctorante dont j'ai parlé, qui est que Marcel Lebrun suit en co-direction de thèse, elle est américaine, franco-américaine. Elle enseigne les langues et elle innove dans ces domaines-là. Oui. Donc, c'est juste pour finir, et Philippe Mémérieux parlait de l'innovation pédagogique dans un congrès qu'il a eu en 2014. Et lui, il disait que la vraie innovation pédagogique était vraiment la création de tous les jours de l'enseignant pour affronter sa classe. Donc, c'est pas vraiment créer des outils. Bon, bien sûr que ça accompagne. C'est pas la création des outils, la vraie innovation. L'innovation part justement des créations nous, en tant qu'enseignants pour proposer des activités qui amènent à la création.
Voilà. Et donc, moi, je suis d'accord à 200% avec lui, parce que ma classe, depuis 7 ou 8 ans, elle évolue. C'est d'un cours, d'une semaine à l'autre, elle évolue en fonction des réactions des étudiants. Et l'innovation pédagogique, ce n'est pas j'arrête la méthode A et je vais faire la méthode B. Et même si la méthode B, vous l'avez inventée, ce n'est pas ça l'innovation pédagogique. Parce que si vous leur imposez une classe inversée, avec les mêmes rigueurs que la cour magistrale, ce n'est pas ça l'innovation pédagogique. Innover, c'est faire avec. Autrement dit, il y a un objectif et on y va ensemble et on tient compte. Et c'est aussi une mentalité. Et il faut se dire que ça bouge, ça change. C'est tout sauf la répétition. D'ailleurs, vous pouvez être hyper innovant dans un amphi avec 500 élèves et une craie, et être complètement has-been dans un learning lab qui a coûté 200 000 euros avec des tableaux intelligents, des îlots, des lunettes Google Drive, des machins. Non, non, c'est pas ça l'innovation. L'innovation, la technologie, elle aide et elle peut être source d'inspiration. Ça aussi, moi, j'ai changé d'avis. Au début, il y a encore 3-4 ans, je disais la technologie, ça, c'est juste un outil. On innove sans technologie. La technologie, c'est un outil. J'ai changé d'avis parce que, enfin, je suis toujours resté sur le même avis. Mais je pense que la technologie, elle est inspirante. Elle peut vous inspirer pour créer des choses. Par contre, quand vous découvrez un outil technologique, il ne faut jamais demander son mode d'emploi et l'utiliser de la même manière, parce que là, vous n'innovez pas. Il faut dire, tiens, cet outil-là, je pourrais l'utiliser différemment. Et quand vous m'avez posé la question de la difficulté de connexion des élèves ou de la technologie, moi, l'autre jour, sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu utilises quel outil pour les sondages? Est-ce que tu fais Woodclap? Enfin, il m'a donné toute une série. Je lui ai dit, moi, je n'utilise pas ça, j'utilise Word, Excel, ou alors il m'a dit, ah bon, mais c'est super simple. Oui, mais tous les élèves savent l'utiliser. J'utilise des outils super simples, parce que vous avez des élèves, ils ne répondront pas à vos sondages, parce que l'outil, ils ne comprennent pas. Quoi. Mais Mérieux, il a tout à fait raison là-dessus, je rejoins. Alors, nous avons une question de Thérèse Gilles, si vous voulez bien. Oui, elle est votre micro. Oui, bonjour, mon nom est Thérèse. Bonjour. Je trouve génial cette réunion. Je suis vraiment désolée d'avoir à un moment donné laissé mon micro allumé. Vraiment, toutes mes excuses. Ah non, mais je ne l'ai pas entendu. Ah ok, tant mieux alors. En fait, je suis enseignante en langue aussi, dans une école de commerce à Bruxelles, donc en Belgique. Oui. Et donc, tout ce que vous partagez, ça m'intéresse très très fort, parce que moi, le principe des classes inversées, je l'utilisais avant le confinement. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose. C'est Marcel Lebrun qui a donné des formations à l'époque sur les classes inversées, et j'ai trouvé que c'était vraiment une méthode assez efficace et qui a bien fonctionné. Mais maintenant, avec le Covid, et quand on est prof de langue, les interactions qu'on a, le temps qu'on a en présentiel, enfin non pas en présentiel, mais je veux dire en distanciel, avec nos élèves, on le passe en maximum dans l'interaction. Ouais. C'est-à-dire qu'on utilise tout le temps qu'on a pour avoir vraiment un maximum de communication, d'interaction avec les élèves. Et alors, le problème que soulèvent les étudiants, c'est qu'ils se retrouvent avec une charge de travail plus importante, étant donné que tout ce qui n'est pas interactif, ils se retrouvent avec une double charge de travail. On leur dit, ben, vous préparez tel exercice de grammaire, vous préparez tel texte, etc., ou tel exercice de vocabulaire. Donc, les étudiants, quelque part, sont un petit peu en surcharge au niveau travail avec le nouveau système Covid. Enfin, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Si, je comprends. Après, il faut regarder. Après, souvent, quand il y a des problématiques dans des domaines particuliers, la meilleure façon, ce n'est pas forcément de questionner un expert, c'est de se réunir, je pense que vous le faites des fois en équipe, et de regarder comment on trouve des solutions ensemble. Moi, je sais que c'était en distanciel, mais en présentiel, pardon. Mais je fais aussi des formations. Je fais comme Marcel, je vais dans des établissements, on crée des formations, des ateliers, donc on forme les profs. Mais j'étais super surpris dans un lycée professionnel en France, dans l'agricole, ils utilisent les profs de langue utilisaient des vidéos, donc ils faisaient faire des vidéos de une minute à des élèves sur des thèmes. Et nous, on l'a fait à l'université avec des wiki radio, et les profs de langue ont utilisé la wiki radio et la web TV, et ils se sont en donnant des exercices ludiques aux élèves à préparer. Donc ils pouvaient par exemple préparer une vidéo de une minute
dans laquelle on utilisait le present perfect ou je ne sais pas quel autre type. Et donc, il y avait une petite contrainte et ils choisissaient un sujet qui leur plaisait, soit le sport, la culture. Et ils se sont rendus compte que les élèves, ils amélioraient leur accent. Leur accent. Et que pour faire une minute de vidéo, il leur fallait des fois une heure de boulot. Mais ils préféraient travailler une heure, trois quarts d'heure sur leur minute de vidéo avec... Et donc, après, bon, c'est. Et donc, des fois, il y a des outils qu'on ne pense pas forcément utiliser et puis qui sont performants. Mais je vous rejoins, hein, moi, je dirais, ma femme est prof d'anglais, donc je vois bien quand elle fait des cours, c'est de l'interaction, mais les élèves, ils ont du travail à faire. Donc, c'est compliqué. Mais bon, après, c'est aussi. C'est... Ce matin, il y a l'un d'entre vous qui a dit les profs ne vont pas disparaître. On est content de voir que les profs ne vont pas disparaître. Moi, je pense qu'il y a des profs qui vont disparaître. Les profs qui vont disparaître, c'est ceux qui lisent des bouquins, quoi. Ceux-là, ils vont disparaître. Par contre, les profs qui font du collaboratif, de l'interactivité, ben, ceux-là, ils ne vont pas disparaître et ils ne vont même plus se poser la question. Parce que c'est même incroyable, un chirurgien, jamais un chirurgien, il se dirait « Ah ben nous, les chirurgiens, ce n'est pas demain qu'on va disparaître. » Ils en sont persuadés. Et les profs, ils doivent se poser la question. Ben, on est rassuré, on ne va pas disparaître. Ce n'est pas normal de se poser cette question-là. Un prof, c'est aussi utile qu'un chirurgien. Hein. En tout cas, si je peux rajouter quelque chose, je trouve que l'année qu'on vient de passer avec effectivement un passage assez radical du présentiel au distanciel, je pense, et ça, vous l'aviez dit tout à l'heure, je pense que ça va changer dans le futur. Ouais. Donc, nos méthodes pédagogiques à l'ancienne, je pense que ça va changer. Cette crise de un an, elle nous a permis d'apprendre nouvelles technologies, elle nous a donné des outils utile. Moi, j'ai appris récemment à utiliser Pad Infinity. Ouais. Je trouve ça un instrument génial et c'est très facile à utiliser et les étudiants en profitent. Donc, vraiment, moi, je ne vois pas pourquoi, une fois qu'on reprendrait le présentiel à 100%, on ne pourrait pas bénéficier de tous les acquis qu'on a eus pendant cette année. Je suis d'accord avec vous, mais il y a une vigilance à avoir. Il ne faut surtout pas dire aux enseignants on ne va pas revenir en arrière et on va devoir s'adapter à toutes ces technologies. Parce que si vous dites ça, vous allez leur foutre la trouille et puis vous allez les affoler et la résistance au changement, elle va être terrible. Par contre, si vous leur dites, vous allez revenir presque à la normale, mais faites 5%, 10%, mettez un petit peu d'innovation, c'est-à-dire tu continues à faire ton cours normal comme avant le Covid, mais tu utilises le Padlet, tu utilises ça. Et donc, rien que de rajouter 5 à 10% d'innovation des fois dans leur cours, eh bien, ils verront que les élèves auront un appétit plus fort pour le cours magistral. Et ça veut dire hybrider. Et hybrider, ça ne veut surtout pas dire on coupe la classe en deux ou alors ça, c'est le cours à la maison et ça, c'est le cours en classe. Parce que hybrider, ça ne veut pas dire transposer ou répliquer. Ça veut dire que ce que vous faites à la maison, c'est complémentaire de ce que vous faites en classe. Et donc, on peut très bien imaginer qu'un prof qui aime bien les méthodes classiques, ben après le Covid, il continue à refaire son cours normal, mais il se dit, tiens, il y a peut-être un truc que je vais rajouter. Et il va partir. Mais il ne faut surtout pas leur dire, la pandémie, elle est finie, mais on continue la classe à la maison, parce que ils vont faire un burn-out avant la rentrée. Très bien. Alors, il reste deux questions sur le chat. Oui, merci. Une troisième, mais je suis désolée. Normalement, on est déjà dépassé. Ben, je répondrai. Vous mettez votre mail et je répondrai aux questions. Il y a trois questions dans le chat, effectivement. Mais Christine Naora, je crois qu'on avait prévu de faire une pause avant 15 heures. On va faire la pause. Là, parce que mais quitte éventuellement à revenir sur les questions à la fin de la journée. Oui, voilà. Vous me dites, à ce moment-là, vous me dites à quel... Il y a deux possibilités, soit je vous retrouve en fin de journée, mais ça va faire une trop longue journée. Moi, je pense que je peux répondre à ces questions par mail et en même temps, je peux vous envoyer des liens sans aucun problème. Vous trouverez des réponses aussi. D'accord, très bien. Oui, c'est solution. C'est... Donc, les trois questions sont sur le chat. Là. Oui, je vais le sauver, le chat. J'arrive à le sauver de mon côté. Merci beaucoup, monsieur Caillet. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Parce que ça me permet d'échanger avec vous. Il faut vraiment échanger des pratiques entre profs, sinon on n'avance pas. Et merci à Marie de m'avoir repéré dans des endroits bizarres. Merci. Merci à vous. Et bien, on fait une merci. Pause. Oui, on va faire une petite pause. Que je vais fermer la salle pour pouvoir récupérer l'enregistrement. Et ensuite, on va se reconnecter dans 5 minutes.
Donc, ça sera à 15h moins 2. Voilà. Merci à tous. À tout de suite. Allez, à tout de suite.